Salut à tous les internautes. Bonjour à tous. Salut Erwan. Une nouvelle semaine qui commence pour Space Foot, mais pour vous aussi. Et pour bien commencer la semaine, le journal Space Foot. L'actu foot en 90 secondes. La première info, David Beckham, monsieur David Beckham, a marqué ce week-end et il commence à réfléchir. Oui, en effet, pour son troisième match en Serie A, David a largement contribué à la victoire de son équipe 4-1 face à Bologne et songe à rester à Milan. Le Paris Saint-Germain gagne, prend les sous. Et puis s'en va, Erwan. Oui, un petit peu malheureux de voir aussi peu de solidarité entre un grand et un petit club. Paris est reparti de Corse avec la recette du match, 15 000 euros. La guerre entre le FC Barcelone et le Real de Madrid continue. En effet, le FC Barcelone a accusé le Real d'avoir essayé de déstabiliser le jeune Lionel Messi avec des offres faramineuses pour le Mercato. Point, 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 coupe, 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 coupe. Puis défaite des petits poussets. Chirène et Concarneau n'auront pas fait long feu dans la Coupe de France puisqu'ils ont perdu respectivement 8-0 et 6-0. Retrouvez tous les résultats sur www.spacefoot.com dans la rubrique Coupe de France. Point, 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 transfert. Giovanni Dos Santos pourrait rejoindre l'OL, il s'agirait d'un échange avec Fred. Arsenal est prêt à relancer le jeune anglais Micah Richards. Shibanda pourrait retourner à Tottenham. Emerson ne serait pas contre un dernier challenge à Portsmouth. Manchester City se penche sur le jeune Brésilien Diego. Une offre de 26 millions d'euros pourrait être faite au Werder. Et le club de Wigan pourrait récupérer le Marseillais Mbami pour densifier son milieu de terrain. Citation. Comme le disait Bum Phillips, les entraîneurs entraînent au jeu. Les meilleurs entraînent les hommes. Ici c'est Space Foot, ici c'est Space Foot, ici c'est Space Foot. Oh, ma Space Foot.